Et Daniel, ouais. J'ai un anniversaire ce soir. Ouais. Je dois ramener un gâteau. Ah bah si tu veux, je peux te faire un tiramisu comme ils aiment bien tous tes copains. Bon, je me lave les mains avant, hein. Je mets mon café froid que j'ai fait la veille dans une assiette. On va prendre le saladier du robot. Je vais casser mes œufs. Voilà. Pourquoi tu fais ça? Bah parce qu'il faut pas mettre le jaune avec les blancs. C'est complètement raciste ce que tu dis. Il faut 6 œufs, hein, les enfants. Ah non! Bah tu vas me le foutre en l'air si tu fais ça, voyons. Tu vas faire bouger mon gâteau. Après, je fais blanchir mes œufs. J'abaisse mon robot. Et on attend qu'il blanchisse. On s'entend plus, hein? J'ai mis 2 paquets de sucre dedans. Comment? Là, j'arrête mon robot. Ça, c'est du mascarpone. Alors là, on a encore pour 10 minutes. La crème que j'ai fait au mascarpone, je le mets dans mon saladier. Il faut qu'elle soit bien épaisse comme ça. Elle est belle, hein. Regarde comment elle est honteuse. Si tu veux laver ça, loulou, pour que je monte les blancs en neige, soit que ça prend, soit que ça prend pas. Il faut mettre du sel. Je les mets là. Voilà. Oh non! Oh, t'es dégueulasse, toi. Vraiment un gros dégueulasse. Je mets une petite pincée de sel. Alors, ça a marché ou pas? Je suis bien content, toi, ça a bien marché. Regarde. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à moi? Mais tu sais pas faire à manger, loulou. On mélange le blanc avec la crème, mais alors tout doucement avec une spatule. Attends, je filme au drone. Un drone? Un drone. Je sais pas. Là, je te filme avec un drone. Ah oui, c'est un truc qui va dans le ciel. Est-ce que je peux mélanger un tout petit peu pour moi? Ah là 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 là. Ah non! C'est pour ça que je préfère être célibataire. Je pourrais plus avoir un mec qui me fasse chier. Excusez-moi du gros mot, le genre. Moi, c'est la cuisine de Mémé que je fais. Oh, ma grand-mère, c'était un ange. On voulait toujours coucher avec Mémé parce que dans le temps, on mettait des briques dans son lit. Pas dans le temps, mais on n'avait pas de chauffage. Hein. On mettait des briques dans le lit avec du journal. Bah oui, pour réchauffer le lit. Donne-moi une petite assiette, s'il te plaît, Louis. Oui, chef. Voilà, chef. Merci. Ou petite assiette. Alors, on trempe. Seulement trempe. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, comme ça? C'est des boudoirs. On les trempe comme ça. Voilà. Je peux en manger un ou pas de boudoir? Ah non, non, je ne sais pas si. Après, je mets un peu de crème. Alors après, vous mettez du chocolat dessus. C'est de la poudre de cacao. Je nous fais une petite ligne, Daniel. Vas-y, tape dedans. Et prends-en un peu, je te jure, ça fout la pêche. Hein. Mais c'est ça. Est-ce que t'as déjà pris des drogues, Daniel? Ah, jamais de ma vie. Par contre, je piquais des cigarettes à papa quand j'avais 13 ans. Et quand je fumais, je me disais... T'es une thug un peu, non? Ah, ça veut dire quoi? T'es une ouf? Ça veut dire quoi? On refait pareil. Voilà. Ah, tu fais 3 étages? Ah oui, bah vous êtes beaucoup, loulou. Et une petite couche de chocolat par-dessus. Et bah voilà, mon tiramisu est propre. Alors, tu l'écris comment, tiramisu? T-I-R-T-I-R-A-M-T-I-R-M-I-S-T-U, je sais pas. Pêche! Oh, t'es guignolin. Voilà mon tiramisu. Tu veux qu'on l'appelle comment? Un tiramisu d'Indian. Et donc maintenant, la dernière étape, c'est quoi? La dernière étape, c'est de nettoyer tout. Et c'est toi qui vas le faire. En fait, tu t'abonnes, quoi. Bah ouais, un peu, quoi. Est-ce que tu peux dire un truc qui donne envie aux gens de s'abonner à notre chaîne YouTube? Eh ben, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je serai très contente. Et je vous aime beaucoup.